Bizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi ne. Mama mardi ne. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. Olingi ne kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babone la yo. Pona mtoto na yo. Moko ya ele. Poko babone la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à kola na basiwa. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, on parle politique et entrepreneuriat. Des questions qu'on se pose, mais vraiment des véritables questions. Est-ce que le Congo, c'est vraiment l'enfer pour tout entrepreneur jeune? La manière dont on peint le pays, c'est comme un pays qui confisque, sinon qui vole l'avenir de ses enfants. Alors, on va parler avec quelqu'un qui a réussi, on va dire, dans ce domaine. C'est un jeune Congolais qui a évolué en Afrique du Sud, mais qui est né au Congo, qui a tout commencé dans ce pays. À 14 ans, il va se retrouver donc en Afrique du Sud et il va faire finalement une très belle affaire. Il commence avec 500 $ pour aujourd'hui être au-dessus des millions de dollars. On en parle aujourd'hui. Comment il a fait pour réussir? Est-ce que c'est le fruit du Congo ou c'est les fruits de l'Afrique du Sud ou alors c'est la conscience qu'il a aujourd'hui? On en parle tout à l'heure. Je dois rappeler que c'est M. Yannick Zondé, né en 88. Donc 32 ans aujourd'hui, on va dire 33 ans dans quelques mois. On en parle. Aujourd'hui, Yannick, comment allez-vous, Yannick Zondé? Bonjour et merci d'abord. Merci d'abord de me recevoir. J'adore le plateau, j'adore le travail que vous faites. C'est un grand honneur de voir un jeune qui réussit dans son domaine. Non, merci. Je dois dire que ça fait plaisir d'être là. C'est alors, un privilège. Vous êtes opérateur économique. Oui. Et vous êtes philanthrope. Oui. En même temps, vous êtes DG de Mulundu Investment International. C'est ça. C'est un anglais. Ouais. Vous êtes anglophone. Moi, je suis francophone. Donc, du coup, vos termes anglophones vont un peu me gêner. Comme vous, d'ailleurs, certains termes français vont vous déranger un peu. Ouais, j'espère que... On ne va pas vous tenir rigueur. Comme moi, je ne vous tiendrai pas rigueur, vous aussi faites la même chose. Merci. Alors, vous êtes président de la fondation qui porte le même nom. Ça veut dire Mulundu Foundation, c'est ça? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle un peu de vous. Parce que ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment vous avez fait pour réussir. Vous êtes né à Lubumbashi et vous quittez le Congo quand vous avez 14 ans et vous arrivez en Afrique du Sud. Vous êtes né dans une situation où on parle français et puis lingala, mais lorsque vous arrivez dans un monde où on ne parle qu'anglais, est-ce que vous êtes complexé? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Comment vous accueillez ou comment vous êtes accueilli en Afrique du Sud? Très bonne question. Je vais expliquer, je vais rentrer un peu en arrière pour expliquer le parcours, comme ça les téléspectateurs peuvent comprendre. Exact. Donc, je suis né à Lubumbashi, de père et de mère congolais. À l'âge de 14 ans, on a quitté, on a quitté le Congo pour migrer vers l'Afrique du Sud. Arrivé là-bas, c'est là où j'ai fait mes études, la moitié, la deuxième partie de mes études secondaires. Je veux dire, l'intégration n'était pas facile parce que c'est un nouveau pays où... Une nouvelle langue, une nouvelle culture. On n'avait pas des amis, donc on a laissé tous nos amis derrière. C'était aller pour recommencer à nouveau. Mais comme en tant que jeune, en tant qu'enfant aussi, on voulait découvrir de nouvelles histoires, donc on a vraiment pris les défis dans nos mains et on a profité de l'occasion. Donc, arrivé en Afrique du Sud, je suis allé à une école catholique, Saint-Joseph, et après je suis allé à l'université. Ouais. En même temps, pendant que j'étais à l'université, j'ai travaillé aussi en tant que mannequin. Ouais. Vous faites l'air d'un mannequin. Je sais que j'ai vu la vidéo, je dis, mais comment il est baraqué, il est grand, il est beau. Non, bon, ça fait quand même 10 ans de cela maintenant. Okay. Mais mannequin, c'est ce qui m'a permis de payer mes études universitaires. Et après, on a mis un peu d'argent de côté et on a commencé la première société qui s'appelait
ATI. Alors là, vous allez vite, on revient un peu. Ouais. 14 ans, ouais. Vous dites que vous recommencez tout à zéro. Tout à fait. Mais c'est avec une nouvelle langue, ça veut dire l'anglais, ouais. Et vous apprenez tout. Mais à partir de quel moment vous avez le déclic de commencer une affaire, d'être devenir indépendant? Est-ce que c'est la conjoncture qui vous oblige ou vous aviez ça depuis le bas âge, qu'il fallait être indépendant, il fallait se mouvoir un peu? Très bonne question. Je pense que j'ai toujours eu ça. C'est pour ça que je parle toujours de l'entrepreneuriat dans informel et formel, mais j'ai toujours eu ça. Je me rappelle quand j'étais ici au Congo, avant même de quitter. Donc je faisais, je pourrais partir au marché, j'achète une montre et je reviens dans le quartier et je revends la montre à 3 fois le prix ou 2 fois le prix. Dans votre connaissance avec l'argent date de très longtemps. Oui, non, de très longtemps. On me connaissait dans le quartier. Donc je pouvais acheter quelque chose au marché, je reviens et je revends. Ouais. Alors quand je suis parti en Afrique du Sud, je faisais la même chose. Où j'achetais des habits en Afrique du Sud, je revenais au Congo et je revendais. Donc informellement en tout cas... Ça fait près de 10 ans que vous êtes là dans l'informel. Oui, tout à fait. Mais alors, quand vous commencez, vous entrez à l'université, ouais. Le mannequinat, est-ce que c'était une passion? Vous utilisez votre corps parce que vous êtes grand et que vous êtes beau, vous êtes bien, vous dites je fais le mannequinat? Ou c'était pour vous un moyen d'avoir un peu d'argent pour asseoir son entreprise? Donc, un tremplin. C'était un tremplin. Pour moi, je dirais que c'était un tremplin. Oui, bon. On avait des acquis physiques. Dans, c'était pas de ta faute. On n'a pas choisi d'avoir ces acquis physiques-là. Mais on a utilisé ça comme un tremplin pour mettre de l'argent de côté et pour commencer. Et vous avez 500 dollars seulement. Oui, 500 dollars. Au fait, la petite histoire, c'est que mon ami m'avait laissé sa voiture pour le week-end, pour 3 jours de week-end. Mm. Et moi, j'ai fait louer la voiture de mon ami. Ouais. On a mis de l'argent de côté. Et c'est là que j'ai commencé la première société qu'on avait commencé avec, qui s'appelait ATI à Cape Town. Et là, on a commencé, la société a commencé à très bien marcher et on a diversifié, on entre dans l'énergie. On a commencé ATI Énergie, on faisait l'énergie. Là, vous avez quel âge en ce moment? 26 ans. À 26 ans, vous avez déjà des idées d'avoir une entreprise? Oui, oui, à 26 ans. Ouais. Pourtant, à 26 ans, on écrit des lettres, j'ai l'honneur de travailler chez vous, j'ai l'honneur, l'emploi, l'État doit me donner l'emploi. Vous, à 21h, vous pensez vous engager vous-même et engager les autres? Oui, en fait, à 26 ans. Très, très bonne question. Ouais. En fait, dès mon jeune âge, j'avais un déclic qui disait, je dois me prendre en charge. D'accord. Je suis en Afrique du Sud où... je peux finir mes études et avoir un travail, mais aussi, dedans de moi, je me disais que bon, je viens du Congo, le Congo m'a tout donné, je dois remettre au Congo. Et la façon de remettre au Congo, c'est de créer de l'emploi. Ouais, c'est de commencer à genre, créer de l'emploi, être créateur. Au lieu d'attendre du travail, au lieu d'attendre un salaire de quelqu'un. Donc, ça a toujours été mon esprit, en fait. Alors, vous n'êtes pas qu'émondeur d'emploi, vous êtes tout de suite créateur d'emploi, mais c'est à 26 ans que vous commencez. Ouais. Est-ce que lorsque votre ami est rentré de ses vacances, dans quel état a-t-il trouvé son véhicule? Il est devenu, en fait, mon partenaire. Hein, il est devenu mon partenaire. Il a pris le goût, en fait. Il a vu l'ambition, il a cru dans l'ambition. Ouais. Donc, il est devenu mon partenaire et on a continué la route ensemble pour quelques années. Ok, la première entreprise réussit donc. La première entreprise réussie, alors c'était là... C'était dans quel secteur? Construction. D'accord. On faisait les rénovations spécialisées dans le pétrole, donc pétrolier. Donc on a... c'est nous qui faisons les rénovations des Shell. Shell, les stations Shell et tout, à Cape Town. On faisait les rénovations, on changeait et c'est ça. Les rénovations, ça veut dire... vous changez des choses? Oui, donc tout ce qui est abîmé, c'est comme la maintenance. La maintenance. Ouais, c'est plus comme la maintenance. Quand ça s'abîme, on nous appelle et on va, et bien alors, c'est ça. Mais toi, tu as fait les finances à l'université, tu as appris les choses d'argent. Tout à Mais fait. Mais comment tu te retrouves dans la rénovation? Comment tu te retrouves dans tout ça? Je suis comptable de profession. Oh, d'accord. Comptable avec spécialisé en finance aussi. Ouais. Donc, il y avait une opportunité. Ça, c'est une opportunité, comme j'ai dit encore. Donc, j'ai l'entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est un créateur. Un entrepreneur, c'est celui qui voit les opportunités. Alors, les gens ne voient pas les opportunités. Je suis entré dans la maintenance, et pas la maintenance générale, mais une maintenance spécialisée dans le pétrole, pétrolière, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent, il pouvait se faire beaucoup d'argent. Et alors, d'ailleurs, il y avait une amie à moi déjà qui le faisait, et qui le faisait très bien. Alors, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu, OK, on pouvait aussi faire la même chose.
On s'est lancé dans ça. Donc, c'est plus parce que j'ai vu l'opportunité. Mmh. Ouais. J'ai vu l'opportunité, j'ai vu le gap dans le marché. Je me suis dit, il est temps de se lancer. Et on n'avait pas tort sur le coup. La rénovation, ça marche. Oui, bon, on a commencé comme tout. Donc, on commence au début, donc on prend contact et on travaille comme toujours. Discipline, persévérance, travail, ce qui sont les atouts qui me définissent. On a pu débaucher des contrats, des bons contrats. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on a commencé à... Le premier contrat qui a eu beaucoup d'argent, tu l'as eu à quel âge? C'était combien? C'était un montant de combien? Quand tu as commencé? Wow. Le premier chèque, c'était 5 millions de rand. 5 millions de rand aujourd'hui, c'est la valeur de 350 000 dollars. 350 000 dollars. Tu as quel âge en ce moment? 26 ans. À 26 ans, tu as déjà 300 000 balles. Ouais, alors, dis-nous, ça te fait quoi? Ça te fait pas des trucs dans la tête? C'est ça. Ça tourne ça. Pas? C'est ça. Au tout début, vous voyez, au tout début, quand vous commencez l'entrepreneuriat, le but, c'est de se faire de l'argent. Au début, donc, vous êtes jeune, vous dites, bon, je dois me faire de l'argent pour bien vivre, pour créer de l'emploi et tout ça. Après, vous vous faites de l'argent. Après, bon, vous vous dites, bon, OK, c'est quoi? Après, faire de l'argent, c'est ce qu'il y a, c'est le déclic qu'il y a dans la tête pour dire, bon, OK. Maintenant, il vaut mieux qu'on puisse avoir de l'impact sur les vies des gens que d'avoir les poches pleines. Donc, c'est bien, l'argent est très bien. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen qui nous permet de réaliser nos rêves, de réaliser nos projets. Mais est-ce que ce chiffre a changé ta perception de la vie? 300 000 dollars à 26 ans, est-ce que ça ne t'emporte pas? Est-ce que tu ne te considères pas supérieur à avoir gagné la vie? Ou tu te considères vraiment comme un véritable travailleur? Alors, tout commence maintenant. En fait, on a été chanceux de grandir dans une famille qui était focalisée dans la prière, l'humilité. Donc, même une fois qu'on a eu de l'argent, on n'a pas oublié d'où on venait. Ouais. On n'a pas oublié d'où on venait. Donc, on est resté humble, on est resté focalisé parce qu'on savait que la même énergie qui nous a permis de créer ça va nous permettre de créer beaucoup plus encore. Alors, après la rénovation, tu te lances dans quoi? Tu diversifies les trucs en faisant quoi d'autre? Oui, donc après la rénovation, on diversifie et on commence une société d'énergie solaire. Ok. Ouais, ça c'est en 2016, nous avons amené la compagnie d'énergie solaire à Lubumbashi, au Katanga. Donc on faisait les panneaux solaires, lampadaires solaires, toute la gamme des produits. On était parmi les tout premiers. Et quand on est venu, il y avait d'ailleurs un problème parce qu'il y avait un problème de culture. Où les gens avaient peur de cuisinière à gaz. Il y avait le stigma là que ça explosait, les gens pouvaient mourir. Donc, il fallait d'abord éduquer. Donc, on avait investi beaucoup d'argent dedans. Mais on a passé beaucoup de temps d'abord à éduquer nos clients, éduquer... En Afrique du Sud, toujours? Non, ça, c'est au Congo. Là, c'est au Congo, là. Ouais, ça, c'est au Congo. Ça, c'est au Congo. Alors, mais toujours dans des secteurs que tu n'as pas, étudié à l'école. Tout à fait. Alors, je me pose la question, est-ce que tu ne serais pas un bon ingénieur à la fin? Tu aurais bien fait l'ingénierie, tu serais certainement beaucoup plus épanoui encore une fois. Non, il y a une chose, très très bonne question. Il y a une chose, la structure, le squelette du business est le même. D'accord. Après, vous pouvez faire, aujourd'hui, vous pouvez entrer dans la construction, les finances, l'énergie, mais le squelette est le même. Ouais. Donc, le but du business, c'est d'identifier les opportunités et puis... emmener une valeur sur le marché qu'il n'y a pas, donc créer, après de faire un profit. Alors vous arrivez, vous dites, il faut donner de l'énergie, mais alors, un autre type d'énergie, solaire, avec panneaux. D'abord, vous commencez par convaincre les gens qui avaient peur de gaz, et ainsi de suite. Tout à fait. Ce marché n'a pas été facile pour vous? Non, pas du tout facile. Pas du tout été facile. Je dois dire, la première année, les ventes n'étaient pas très bien parce que, genre, il fallait éduquer. On a passé beaucoup de temps à éduquer. Je dis qu'on a même payé le prix, d'ailleurs, pour les... d'autres sociétés qui sont venues nous imiter, qui sont venues après nous. Donc, quelque part, comme on était les précurseurs... Vous étiez les précurseurs. C'est ça. Vous avez aidé les autres à venir beaucoup plus facilement. Voilà, ils sont venus et ils ont capitalisé sur ce qu'on avait déjà fait. Mais c'était très bien et c'était vraiment une société... Bon, c'est une société par laquelle je suis très passionné parce que, bon, avec la pollution et l'environnement, donc... à Lubumbashi, on a un problème de délestage. Comme à Kinshasa, partout, en RDC, il y a un grand problème de délestage. Donc, l'effet que les groupes électrogènes ont sur l'environnement, pour nous, donc, on a emmené une meilleure solution, une solution verte,
et on a amélioré les vies des gens. Parce que là, il n'y a plus besoin d'entendre le bruit du generator. Et donc, là, mais il n'y avait pas de maintenance. Donc, c'est une fois, vous payez une fois et puis... Mais là, c'était juste pour les juste pour préparer, pour cuisiner. Oh non. Ouais. C'était pour... On avait des solutions pour maison, commerciale, industrielle. Ah, même industrielle. Oui, et ce qui était encore bien, c'est qu'on partait aussi installer dans les milieux ruraux. Okay. Où ils avaient déjà fait 2-3 mois sans électricité. Donc, quand on installait, il y avait les premières, la lumière qui s'allumait, et on voyait des gens pleurer. Ouais. Et c'était émouvant. Pour moi, c'est ça même... Le but. Quoi. Le but, en fait, de ce qu'on était. Alors, vous avez toujours été porté par ces sentiments de résoudre le problème des autres. Tout à fait. Par les sentiments de la satisfaction des autres. Ouais. Et donc, à côté de l'argent. Et puis, pour vous, vous avez deux plaisirs, je veux dire. Ouais. Et vous gagnez en termes d'argent et la satisfaction des autres. Je pense que... Ça vous fait plaisir. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça même le point. Je pense que... En anglais, on appelle ça « value proposition ». On appelle ça « value proposition » pourquoi ? Parce que c'est une valeur ajoutée que vous venez dans le marché. Ouais. C'est quelque chose, soit qui est déjà dans le marché, mais vous l'améliorez, soit qui n'est pas encore dans le marché, et vous créez quoi ? Vous créez une nouvelle valeur, vous créez une nouvelle demande. C'est ça. Alors, vous évoluez, vous diversifiez encore ou vous arrêtez là ? Après, on diversifie encore. Encore une fois. Oui, après... Entre-temps, qu'est-ce qui se passe avec les autres ? Avec le pétrole, avec le gaz, gaz et pétrole. Vous continuez toujours en diversifiant ou vous arrêtez, vous passez à autre chose ? Alors, la première société, j'ai vendu mes parts à mon partenaire. D'accord. Et moi, je me suis focalisé sur la nouvelle société dont je vous parle maintenant. Nous avons diversifié, nous sommes devenus un fonds d'investissement. Ah, d'accord. Parce que nous nous sommes dit, il y a beaucoup d'investisseurs de partout au monde, Canada, Afrique du Sud même, France, qui nous contactaient pour nous demander qu'ils veulent venir au Congo, ils voulaient pour venir investir dans les domaines de mines, énergie, agriculture. Mais ils ne comprenaient pas bien l'environnement des affaires au Congo, le climat des affaires au Congo, ils ne comprenaient pas ça bien. Alors, eux préféraient venir à travers nous en tant qu'un fonds, bon, mettre... les règles en place, mettre les règles, une structure en place, et puis déployer l'argent à travers notre fonds d'investissement. Et c'est comme ça que vous avez commencé. Du fonds a commencé. Alors, pourquoi vous appelez ça Mulundu ? Alors, Mulundu, c'est mon nom. Ah, mais Mulundu, moi, c'est Yannick Nzonde Mulundu. Mulundu. Ah, ouais. Nzonde Mulundu. Ouais. Et Mulundu, c'est... Mulundu, c'est mon nom, et donc Mulundu, c'est ma legacy, c'est mon héritage. Ça veut dire quoi, Mulundu? Ah, bon. Je t'ai eu, hein. Ouais, c'est ça. Donc, quand je saurai, je vous dirai. Je t'ai eu. Ah ben, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de Congolais qui ne connaissent pas la situation de Léonore. Tellement qu'on aime nos parents, on n'aime pas les importuner, on pose des questions. On accepte ça comme ça. Alors, maintenant, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre parcours et surtout dans cette mutation d'entreprise en entreprise, de plan en plan? Quels sont les grands défis que vous rencontrez? Sur le plan international ou sur le plan... Commençons d'abord sur le plan international. Mmh. Ouais. Je pense qu'à chaque fois que... En tant que défi, le business vient toujours avec ses défis. Ouais. Et à chaque fois que vous commencez une nouvelle activité, une nouvelle société, ça veut dire que vous ne connaissez pas très bien les règles du jeu, il faut apprendre. Donc c'est un peu ça le défi. Quand vous arrivez, vous êtes nouveau. Vous devez apprendre, vous devez savoir quelles sont les politiques autour et tout. Je dirais que c'est un peu ça le défi, c'est au début. Vous êtes continuellement nouveau, quoi. Mm. Parce que vous faites une entreprise, ça marche, vous diversifiez. Yeah. Alors, vous êtes un continuel nouveau, un éternel nouveau, on va dire. Oui et non en même temps. Donc, on va dans les cours. Si vous regardez, en matière d'un entrepreneur, suit l'opportunité. L'opportunité coule dans un certain sens. Donc, et tout dépend du terrain dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Donc, si vous évoluez au Congo, par exemple, si vous venez au Congo, vous devez savoir, OK, quels sont les secteurs clés du Congo, si vous voulez évoluer au Congo. Oui. Donc, il y a l'agroalimentaire, parce qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Oui. Il y a les mines, bien sûr. Donc, il y a le sol et le sous-sol. Il y a l'énergie. Il y a l'industrie, la transformation. Ça, c'est le Congo. Mais si vous partez, par exemple, disons, à Paris, et vous voulez commencer... le besoin et l'environnement est différent. Mmh. Là-bas, c'est peut-être l'immobilier et gestion de patrimoine. Et donc, c'est un peu ça. Donc, quand on arrive au Congo, c'est un nouvel environnement. Mmh. Ouais. Donc, on apprend de le nouvel environnement et
en France. Et alors, l'habitude. Des 500 dollars à des millions de dollars, la question reste, comment vous faites? Parce qu'au Congo, la question primordiale a toujours été la question d'argent. Vous demandez à plusieurs jeunes, ils disent, on a beaucoup de projets, mais nous n'avons pas l'argent. Comment on fait? La question ça a toujours été la question de financement. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes gens qui se disent, ben si ça a marché avec Yannick, ça peut donc marcher avec nous. Mais lui, au moins, avait 500 dollars. Nous, on n'a pas d'argent, on n'a même pas 10 francs. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Très bonne question. Très, très bonne question. Moi, je dirais que la jeunesse congolaise est très capable. La jeunesse congolaise a beaucoup de potentiel. Et la jeunesse congolaise a besoin de se conscientiser, de savoir que, d'abord, de un, l'État leur doit le minimum, mais pas tout. De savoir qu'eux-mêmes ont le pouvoir de créer dans leurs mains. Ça, c'est très important d'abord de savoir que vous pouvez. Une fois que vous êtes confiant et vous êtes certain que vous pouvez, ça devient, tout devient possible. Rien n'est impossible. Mais justement, comment on fait? Maintenant, donc je continue. Allez-y, prenez votre temps. Donc, je dirais d'abord la conscientisation, c'est la première partie. D'accord. Et puis, par rapport à la jeunesse, je dirais, je dirais que la jeunesse, d'abord, se conscientise pour savoir qu'on doit prendre notre destin en main. Numéro deux, c'est de faire des petits groupes, de, soit think tank, on peut appeler think tank, ou des petits regroupements de, où vous échangez des idées, d'après moi. Parce que vous ne pouvez pas avoir 500 dollars, mais vous pouvez avoir tout le monde à 1000 francs ou 500 francs ou quelque chose. Avec ce que vous avez, vous pouvez commencer quelque chose. Okay. Donc, pour moi, d'après moi, je pense qu'avant de pleurer pour dire que je cherche 10 000 dollars pour faire un projet, mais je ne l'ai pas. Non. Qu'est-ce que vous avez en poche? Vous avez 1000 francs? Ok, d'accord. Donc, vous prenez 1000 francs. Vous achetez peut-être, je me dis, vous achetez des œufs de 1000 francs. Donc, 6 œufs, un plateau des œufs que vous revendez un peu et vous avez 1500 francs. Après, vous revendez et puis vous achetez un carton. Après, vous achetez deux cartons et puis vous avez 6 cartons. C'est ça. Donc, vous avez commencé petit, quelque part. Maintenant, vous avez 6 cartons. 6 cartons, 10, 15. Après, vous avez un jour un poulailler. Et même par rapport au financement, quand vous partez aux maisons, aux banques d'investissement ou aux microfinances, FPI pour demander le financement, c'est beaucoup plus facile quand vous avez l'expérience, même si aussi petit soit-il, même si ça a échoué. Mais si vous avez commencé quelque part, donc si vous avez commencé avec des oranges, 10 oranges, que après vous êtes allé au marché, vous avez acheté la petite presseuse, vous avez fait 2-3 bouteilles, vous avez vendu, et vous partez avec ça. Ça fait 6 mois que j'ai commencé avec 6 bouteilles. Là, maintenant, on a 3-4 cartons. Ça devient facile pour l'administrateur de FPI de dire, ah non, on va vous accompagner à expandre. Parce que dans le monde des investissements, c'est rare qu'on investisse dans les idées. On veut investir dans des actions. Exact. Ouais, dans, on veut investir dans quelque chose qui se passe déjà. Donc, on appelle ça « proven track record ». Donc, quand vous avez déjà fait vos preuves, c'est là qu'on vient, on vous accompagne. Donc, je pense que tout jeune peut commencer avec 500 francs, avec 1000 francs. On peut se regrouper ensemble, 4 jeunes, et mettre 1000 ensemble ou 500 ensemble et commencer quelque chose. Alors, quand vous regardez les jeunes congolais, pensez-vous qu'ils sont butés à quel problème? Ils n'osent pas espérer? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à oser? Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils ont l'information? Parce que je crois que c'est la clé même. Sont-ils informés qu'à partir de rien du tout, c'est-à-dire même si vous êtes orphelin, même si vous avez été abusé, même si vous avez été abandonné, à partir de rien, vous pouvez, juste avec la confiance en soi, bâtir toute une histoire? Ou vous dites que bon, ils attendent de l'État des choses? Le problème à quel niveau? Le problème avec la jeunesse congolaise, je pense, c'est au niveau du changement de mentalité. Oui. Je pense que pendant très longtemps, on a été mis dans ce bain-là de dire aller à l'école, étudier, et puis chercher du travail à la SNEL ou chercher du travail à la Régie des Eaux. Justement, la mentalité des fonctionnaires. C'est ça. Je pense que c'est ce mythe-là qui doit être cassé. Vous savez, en Afrique du Sud, par exemple, 52,4% de la population sont employés par les petites et moyennes entreprises. Ah. Ouais. C'est donc... c'est des plus grands contributeurs du PIB. Okay. Et je pense, et là, au Congo, on a 80 millions d'habitants, mais 65% de la population est jeune. Donc, imaginez-vous si aujourd'hui, les jeunes pouvaient se mettre ensemble et commencer des petites choses. Dans 10-15 ans, on n'aura plus ce problème de chômage. Donc, le problème, c'est au niveau peut-être, de, comme vous dites, du changement de mentalité, mais aussi des schémas. Donc, il y a un changement de mentalité en premier. Une fois qu'il y a le shift et le changement de mentalité, je pense que la deuxième chose dont le Congolais a besoin, c'est l'accompagnement. Ouais.
Parce que vous pouvez aussi avoir de l'argent. Il y a aussi, il n'y a pas que les pauvres. Il y a ceux qui ont de l'argent, mais qui échouent toujours. Parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés aussi. Alors, accompagnés, ça veut dire quoi? Par des coachs? Oui, par des coachs. Ah, c'est, ça, c'est, vous êtes un coach, coach. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais des coachs qui ont déjà fait leurs preuves en tant que. Sinon, au Congo, on en a beaucoup. Hein. On a des coachs théoriques, mais vous c'est dites, ça. Ils font des conférences tous les samedis. C'est ça. Les coachs en business, mais voilà. Tu lui poses la question, mais monsieur, mais tu as déjà fait quoi? Ouais. Il dit non, c'est dans le livre. C'est dans le livre. Non, Tout le monde est... On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de livres. Vous savez, au tout début de ma carrière, moi, je m'étais dit, j'avais des opportunités d'être coach et d'enseigner, mais je m'étais dit non, je vais d'abord me focaliser sur la création des sociétés. Exactement. Et vraiment la création de la richesse. Une fois que je peux le faire, bon, il y a la preuve que je peux le faire, maintenant je peux rentrer prêcher ce que j'ai déjà pratiqué moi-même. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Oui, tout à fait. Et puis, comment, je vais peut-être faire rire un peu. Quand on parle à un coach, il faut qu'on sente que ça me ouais. Sinon, c'est quelqu'un qui a réussi dans le business. Ouais, tu ne viens pas avec des chaussures assez élaborées et tu me dis qu'on va faire des millions, sinon tu l'aurais fait déjà. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, quelles sont les opportunités que le Congo offre? J'identifierai quatre secteurs clés. D'accord. L'agroalimentaire. Ah, ça paye au Congo. En tout cas, c'est une bonne opportunité. Oui, en tout cas, pour moi, je peux dire avec certitude que c'est un des secteurs qui va créer le plus de millionnaires ici. Pourquoi pas des milliardaires? C'est vrai. Oui, parce que nous avons 80 millions de terres arables. Donc, nous avons une très bonne terre. La terre est pratiquement vierge. Le coût, la main d'œuvre est moins chère. Donc, c'est à nous de voir. Vous savez, la jeunesse, maintenant, c'est bien parce qu'il y a Google, il y a Internet. La jeunesse congolaise peut entrer sur Google et voir, identifier de quoi on a besoin pour notre autosuffisance. Les jeunes sont très préoccupés dans TikTok, ils sont très préoccupés dans WhatsApp, Facebook pour la drague et la blague. Donc, c'est leur demander d'aller dans Google, c'est beaucoup trop. Mais vous dites quand même qu'il faut aller dans Google. Oui, c'est ça. De nouvelles connaissances. Voir, par exemple, pour dire, bon, on est dans telle ou telle institution, on est dans l'Union africaine, on est en partenariat avec la Chine. Bon, qu'est-ce que la Chine a besoin que le Congo peut produire en matière d'agroalimentaire? Bon, la Chine a 22 milliards de dollars dans son budget pour l'importation. Bon, sur les 22 millions, qu'est-ce que nous, on peut importer, exporter vers la Chine? OK. Bon, on se dit, bon, les Chinois consomment beaucoup de piment, par exemple. OK, alors là, on va faire la culture des piments qu'on veut exporter. On peut se dire la même chose sur Hong Kong. À Hong Kong, il y a un très grand problème ils n'ont pas beaucoup de terres. Donc, ils importent presque tout. Les fraises, les cerises, ça coûte très cher à Hong Kong. Ouais. Mais c'est des histoires qu'on peut planter ici. Pas nécessairement au Katanga, ici, mais peut-être à l'est, dans différentes parties du Congo. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être planté ici. Et on peut exporter ça. Et c'est comme ça qu'on devient exportateur. Et c'est comme ça qu'on emmène beaucoup plus de devises au Congo. Et c'est comme ça que le taux d'inflation baisse. Le taux de chômage baisse et on devient créateur. On peut le faire, c'est très possible. Des très belles idées. Très possible. Et si quelqu'un te dit, oui Yann, c'est vrai, tu nous dis, mais il y a un problème de transport. Je peux bien aller planter, mais faire une plantation de piment ou de cacao, je ne sais pas, n'importe, de café même, mais j'aurais un sérieux problème de transport. Il n'y a pratiquement pas de route. Du moment où l'on extrait, on plante jusqu'à arriver à la consommation, il y aura des fruits qui seront certainement qui vont pourrir, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui pensent que les infrastructures sont le premier frein du développement de ce pays? C'est pas facile. En tout cas, si c'était facile, tout le monde allait le faire. Je dis avec la volonté, on peut le faire. Et c'est pour cette raison que moi, je demande à la jeunesse et je conscientise la jeunesse congolaise à s'impliquer dans la politique. Parce que nous devons être représentés dans la politique de tous les jours. On ne peut plus rester là à croiser les bras et à se plaindre et à bourdonner qu'on n'est pas représenté. Non, si nous voulons être représentés, si nous voulons des belles politiques qui sont dirigées vers l'entrepreneuriat, si nous voulons des infrastructures, nous devons être représentés au niveau de l'Assemblée nationale où les lois se décident, nous devons être représentés au niveau des provinces, au niveau des villes. Non, on doit se conscientiser. La jeunesse congolaise pense que la politique, c'est pour les vieux. La jeunesse congolaise pense qu'on est spectateur de ce qui se passe. Non, mais on est affecté par ça. Ou on attend les jours pour faire la politique. Ouais, j'attends quand j'aurai 50 ans, je ferai la politique. Mais en même temps, vous êtes affecté par ça. Comme vous dites, on n'a pas de route, on n'a pas ceci. Donc, on doit être représenté. La seule façon on peut être représenté,
c'est en ayant des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes soucis que nous. Oui. Or, ceux qui pensent comme nous, ceux qui ont les mêmes soucis que nous, c'est nous. Ben, c'est nous, mais on n'est pas. On parle de l'extérieur, on parle de l'autre côté de la baie vitrée, et c'est difficile. Donc, on doit vraiment entrer en politique. Exact. On doit avoir beaucoup de jeunes dans la politique, beaucoup de gens dans le gouvernement, pour redynamiser. Moi, je suis très content du choix que le chef de l'État a porté sur la personne de son Excellence Samalou Kondé. Oui, c'est un grand signe pour le renouvellement de la classe politique. Et c'est dans cette direction-là qu'on doit continuer à partir. Si vous regardez la France, si vous regardez l'Afrique du Sud, c'est dans cette direction-là que le monde est en train de partir. Est-ce que vous êtes intéressé par la politique, vous-même? Vous allez le faire? Je dois dire que je suis au service de l'État. Ma vocation, c'est de servir le peuple, c'est de servir l'État. Je pense que j'ai discuté avec un de mes collègues, qui est un grand bailleur de fonds. Et je lui disais, moi, je veux servir. Moi, je veux servir mon peuple. Donc, ça soit en tant qu'homme d'affaires, pour moi, je suis en train de servir mon peuple. Donc, je suis en train de créer de l'emploi, je suis en train d'emmener sur le marché ce qu'il n'y a pas sur le marché, je suis en train de coacher, c'est ma façon de contribuer. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État estime que il aimerait que je puisse l'aider dans telle ou telle autre capacité, non, nous sommes disposés. Alors, il faut dire qu'à un certain moment donné, les hommes d'affaires évitaient la politique. Ils manipulaient la politique de l'extérieur. Tout à fait. Et puis après Donald Trump et bien d'autres, on a compris que ça devenait finalement un monde assez étroit. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le fait que, bon, comme vous avez déjà gagné des millions dans les affaires, vous dites maintenant, pourquoi ne pas aller en politique maintenant? Au fait, moi, je suis plus dirigé par ma passion, la destinée. Ouais. Donc, c'est pas l'argent qui me guide dans la vie. Est-ce que vous l'avez déjà? Non, même pas, même avant. C'est pas l'argent qui me guide dans la vie, c'est plutôt les convictions, mes propres convictions. Donc, et moi, je me dis, et la résolution du problème. Mais là, je me dis, si on ne s'occupe pas de la politique en tant que jeune, la politique va continuer à s'occuper de nous. On va continuer à se lamenter, à pleurer, mais on doit maintenant se conscientiser, entrer et participer. Alors, on va parler de politique à un moment donné, mais revenons sur les questions, les piliers. Il faut d'abord rappeler qu'en 2018, vous avez été, sacré, sinon cité parmi les 30 jeunes les plus influents d'Afrique par le prestigieux magazine Forbes. Ouais. Est-ce que c'était après d'avoir réalisé quel succès? Est-ce que dans le gaz et pétrole, est-ce que dans l'agro-pastoral, parce qu'il faut rappeler que vous êtes aussi dans l'import-export. Tout à fait. Non, c'était en 2018, j'étais très honoré de faire partie de cette liste prestigieuse. Vous connaissez le magazine Forbes, c'est vraiment un magazine de renommée mondiale. Mais c'était en 2018 et c'était quand j'étais encore dans la maintenance, dans le domaine de pétrole. Okay. Et donc, ça vous a fait un shift, ça vous a dit qu'il faut aller plus loin maintenant. Comme c'est Forbes, maintenant il faut attendre New York Times, il faut aller plus loin que ça. Tout à fait. C'est un challenge chaque jour, vous avez envie d'être... Oui, tout à fait. On n'arrête jamais. Comme on dit en anglais, the sky is the limit. Yeah. On n'arrête jamais, on continue à pousser plus haut et plus haut. Et pour moi, c'est une façon d'ouvrir la porte à mon peuple, au continent, à la génération, pour dire que si on peut le faire, au fait. C'est possible. Donc, on a des ingrédients maintenant. Moi, étant votre frère, je suis allé de l'avant, j'ai des ingrédients. Je peux passer ces ingrédients avec vous et ensemble, on va réussir. Au Congo, on dit qu'il y a un problème de transfert des connaissances. Mmh. On dit que ceux qui ont réussi refusent de dire aux autres comment ils ont fait pour réussir parce qu'ils veulent maintenir les autres dans ce statu quo-là. Mmh. Est-ce que vous partagez cette conviction, vous partagez cette façon de voir les choses, que la connaissance reste la denrée la moins partagée en Afrique au lieu que ce soit une denrée la plus partagée en Afrique et au Congo? Je pense qu'il y a ce problème-là. Je pense qu'il y a ce problème-là, mais je ne pense pas que c'est sur ça qu'on devait se focaliser. Je pense qu'on devait se focaliser sur ceux qui partagent la connaissance. Donc, on devait lire ceux qui sont de partager la connaissance, on devait suivre ceux qui sont de partager la connaissance et comprendre ceux qui connaissent, comment ils y sont arrivés et prendre ce qu'on appelle encore blueprint, désolé, le plan, pour y arriver. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ceux qui ne veulent pas partager.
Mais je pense que ceux qui veulent partager aussi, il y a un bon nombre de gens qui veulent partager leurs connaissances. On doit se focaliser sur eux. Comment vous expliquez que les Chinois, bref, les expats, viennent au Congo? Pour eux, le Congo, c'est comme un paradis. Ils prient même qu'ils foulent juste le sol congolais, ils vont se faire des millions. Mais alors que les Congolais font des jeûnes et prières pour quitter ce pays parce qu'ils estiment que, en tout cas, c'est l'enfer. Comment vous expliquez ce paradoxe-là? Comme je disais, le Congolais, c'est un paradis. Mais c'est une question de changement de mentalité. Rappelez-vous, on a été colonisé aussi. Donc, le colonialisme aussi est venu avec... a laissé ses séquelles. Donc, au lieu de venir avec une politique de propulser les gens, c'est venu avec une politique de... De les enfermer, ouais, de les étouffer. Oui, d'étouffer les gens. Alors, quand vous avez été étouffé pendant des centaines d'années, ce n'est pas en 60 ans que vous vous réveillez et directement. Ah, mais donc, c'est pour ça que ça demande... La société aussi un peu compressée, peu opprimée, mais aujourd'hui, elle est partie, elle est sortie quand même. Tout à fait. Mais oui, je pense qu'avec assez de personnes qui ont un changement de mentalité, qui prêchent changement de mentalité, petit à petit, on est en train de voir ce changement. On est en train de voir le civisme, le patriotisme est en train de revenir. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora ne rêvent que de rentrer ici. Oui. Et les jeunes d'ici, parce que bon, maintenant ils discutent avec les gens de la diaspora, ils savent que oh, donc on peut faire ça. Donc on peut importe. Donc il y a des partenariats qui se créent entre la diaspora et ici. Et je pense ensemble, il y a un shift qui est en train de se passer. Et vous, vous considérez comme de la diaspora ou comme congolais? Disons, non, comme locaux ou local. En tout cas, je suis local. C'est la maison ici. Mm. Moi, je suis d'ici et je me sens bien ici. Et dans votre famille est d'ici aussi? Ou votre famille est en Russie? Ouais, non, j'ai une famille ici au Congo. Ici au Congo. Ouais, je viens d'une grande famille. À Kino, à Lubumbashi? À Lubumbashi. Ah, d'accord. Mais alors, comment vous pensez... Encore une fois, l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une question des millions d'argent? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est forcément une question d'argent? Ou l'entrepreneuriat, c'est d'abord une question d'ambition et de passion? L'entrepreneuriat, c'est une vie. C'est un lifestyle. Ouais. C'est un mode de vie. Ouais. Donc, un entrepreneur, c'est pas l'argent. C'est l'ambition, c'est la passion, c'est la discipline, c'est le dévouement. Donc, bien sûr... si vous le faites, vous n'allez pas le faire gratuitement. Ouais. Parce que l'argent, c'est un peu comme... vous connaissez le scoring board. Donc, quand vous marquez un but, c'est un peu l'argent. L'argent, c'est un peu ce qui vous montre que vous êtes en train de faire quelque chose. Un peu comme le marqueur chez nous. C'est ça. Quand vous marquez, ça écrit. Voilà. Okay. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir l'argent. C'est un moyen qui nous permet à atteindre nos objectifs, qui nous permet, si je suis un entrepreneur dans le domaine de médias, j'ai besoin d'argent pour acheter des plus grands studios, pour acheter des buildings, pour émettre partout au monde, être sur satellite. Mais en tant qu'un entrepreneur, c'est pas l'argent que vous cherchez. Vous cherchez à ce que votre message puisse être entendu dans tout le monde entier. La satisfaction des autres. Voilà. Mais pour faire ça, vous avez besoin d'argent. Donc, alors, est-ce qu'on peut entreprendre dans tout? Dans tous les secteurs, pouvons-nous entreprendre? Est-ce qu'il est possible d'entreprendre dans tous les secteurs? Oui, tout à fait. Je pense que si vous avez une bonne équipe, je pense que l'équipe de soutien est très, très importante dans l'entrepreneuriat. Comment on fait le choix de cette équipe-là? Ça demandera toute une émission. parce que j'ai d'ailleurs un livre écrit... Ça me fera plaisir de lire ce livre. Oui, sur le leadership, comment choisir, comment s'entourer des bonnes personnes pour atteindre vos objectifs. Mais je pense que c'est important d'abord que toute l'équipe soit sur la même longueur d'onde. Ouais. Que toute l'équipe ait une seule vision. On peut avoir différentes façons de comment on va atteindre la vision, mais au moins on a la même vision pour savoir que c'est là où on y va. Donc on va se battre aujourd'hui, on va avoir, qu'on appelle divergence des idées, mais on connaît la destination, on sait l'endroit où on doit tous partir. Ça, c'est important. Donc après, il y a aussi les qualités du leader qui sont très importants. Le leader doit être un leader qui a facile à déléguer. Donc, s'il sait que M. Christian est capable de faire ce travail, OK, il peut déléguer M. Christian. Et un leader, ce n'est pas quelqu'un qui s'accapare de tout. C'est quelqu'un qui veut empower, donc qui veut outiller. Ouais. C'est quelqu'un qui veut outiller son équipe pour que même s'il n'est pas là, l'équipe continue et la vision continue.
Vous savez, nous avons des gens aujourd'hui comme Steve Jobs. Ouais. Il est parti, mais la vision, la vision de Apple, continue. La vision de Apple, quand tout ça, c'est le leadership, c'est ça et, même. Et vous aussi, votre vision va continuer, de... Milando va continuer. Tout à fait, tout à fait. C'est ça l'espoir. Donc déjà là, il faut dire que même indirectement, c'est ma passion d'être coach. Donc je coach indirectement, que ce soit mes frères, que ce soit les employés, que ce soit, pour que même quand moi je ne suis pas là, que la vision puisse continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'année 2021, qu'est-ce que vous prévoyez faire? C'est quoi les plans de Milando? C'est quel plan qu'il a aujourd'hui? Sur le plan de philanthropie, oui. nous comptons construire une école. Donc, c'était les plans de l'année passée normalement, mais avec le Covid, ça a pris un peu de retard. Mais sur le plan de philanthropie, nous comptons construire une école avec, bon, école et dispensaire dans quelques villages au Katanga. Et puis après, pourquoi pas dans la capitale. Des écoles gratuites, c'est ça? Des écoles gratuites parrainées par les partenaires du fonds. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Et c'est dans les villages, en fait? Oui, dans les villages, dans les milieux ruraux. Par rapport à Mulundu Investment, nous comptons plus nous impliquer dans la transformation. Parce que vous savez, nous importons des produits finis. Donc, ça veut dire, sur la chaîne des valeurs, c'est très important de transformer. Et le Congo a besoin d'une industrie de transformation. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs, minier, par exemple? Non, on va commencer avec l'agroalimentaire. On va commencer avec l'agroalimentaire. Ouais. Ouais. On va relancer le projet de canne à sucre. Donc, on va aller de canne à sucre et puis jusqu'au sucre et les autres. Même chose avec la farine. On va commencer avec des champs de maïs. Donc, dans l'agroalimentaire, on va transformer. Okay. Tomates, on va des tomates. Donc, on va maintenant faire du raw material, c'est que jusqu'au produit fini. Alors, mais ce qui fait que ça sera beaucoup d'entreprises à la fin, beaucoup d'emplois, beaucoup d'opportunités. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est dans ça. Oui. On reste très dévoué au Congo. On reste très positif sur l'avenir du Congo et l'entrepreneuriat au Congo et les opportunités que le Congo regorge. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie selon vous la différence des prix que nous avons? Vous avez par exemple le Sombe ici à Kine est assez cher par rapport au Bandundu, par rapport au Bakongo, un peu comme on dit les Maziwa Ngombe de Goma, il est beaucoup moins cher là-bas, il est cher ici. Le fromage, c'est la même chose. Ce prix-là, disons, cette différence de prix vient d'où selon vous? Et comment faire de l'argent dans ce même secteur-là? Ok, donc, il y a deux choses. Ouais. Donc, il y a la différence, là vous parlez de la différence des prix sur le marché national. Pourtant, on est dans un même pays. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur distance, ouais. Il y a le facteur transport, il y a le facteur main-d'œuvre. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il s'agit du prix. Donc, si... le produit importé provient de Goma, ça veut dire que bon, donc, ça va sûrement venir par avion ou ça va sûrement venir... Il y a le coût qu'on ajoute. Il y a les coûts et tout, c'est ce qui fait la différence des prix. Mais quant aux produits importés par rapport aux produits locaux, je pense qu'on a des défis énergétiques dans le pays qui font que le coût de transformation est très élevé. Et qui font que, ouais, c'est ça, le coût de transformation est très élevé. Ce qui fait que le coût de production aussi est élevé par rapport aux produits que nous importons, qui viennent avec un coût de transformation très bas. Et du coup, ce qui fait que le chocolat qui vient de Hollande est moins cher que le chocolat produit dans le Kivu. C'est ça, tout à fait. Si vous mettez l'aspect énergétique, si vous mettez l'aspect énergétique avec tous les autres aspects, ça fait que le coût de production sur place coûte beaucoup plus cher que le coût de production à l'étranger. Mais vous allez pallier à tout ça, vous pensez? Comment vous allez faire pour réussir ça, pour réussir la transformation? Parce qu'on dit transformation, on veut dire énergie industrielle. Tout à fait. Comment vous allez faire pour pallier à ces problèmes? Quand on veut, on peut. Donc, quand on veut, on peut. On discute, on va continuer à discuter avec nos autorités pour voir comment est-ce qu'on peut s'entraider. Parce que
comme je dis, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc on doit toujours, on continue toujours à parler, on continue à négocier, on continue à discuter pour voir comment est-ce qu'on peut avancer, on peut faire avancer ce beau pays. Est-ce que vous allez, le terme va être peut-être fort, mais est-ce que vous allez sous-traiter les politiciens pour faire passer vos ambitions, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'ailleurs, où l'économie tient la politique en état? Est-ce que vous allez faire ça ici, créer vos propres députés, ou vous serez vous-même? Non, ce n'est pas notre politique. Nous, quand ça vient au business, on reste dans les affaires. On reste dans les affaires. Notre dévouement, notre vocation, c'est d'outiller les jeunes Congolais pour que les jeunes Congolais puissent se prendre en main. Notre vocation, c'est emmener les investisseurs, le plus d'investisseurs possible, parce que nous avons beaucoup d'investisseurs qui veulent venir au Congo. Oui. Ouais, donc, qu'est-ce qui les bloque? La politique du pays est un facteur très majeur. Je pense que le Congo a encore un long chemin à faire par rapport à sa politique. Le Congo doit diriger plus sa politique vers l'entrepreneuriat, alléger la tâche, oui. Alléger la tâche, éliminer certaines pratiques bureaucratiques qui font que toutes les procédures sont trop longues. Après, les gens se découragent et c'est ça. Mais je pense qu'on a l'espoir. Et avec le renouvellement de la classe politique ici, je pense qu'on y sera. Plus que deux questions pour terminer cet entretien. Et puis, je vous laisserai vous occuper de vos affaires. Mais revenons sur votre passé. Pendant la COVID, vous avez nourri pratiquement des milliers de personnes. Et vous l'avez fait sans gain. C'était votre côté de philanthrope. Oui. Comment et pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est nos frères africains, c'est nos frères congolais. Donc, voir les gens souffrir. Parce que, rappelez-vous, lors du confinement en Afrique du Sud, les gens ont perdu de l'emploi. Les gens ont perdu de l'emploi, donc les gens n'avaient pas d'emploi, les gens n'avaient pas de nourriture. Donc, c'était difficile pour nous de se mettre là et voir les gens souffrir et voir les gens croupir dans la misère. Donc, avec les peu qu'on avait avec nos partenaires, on n'était pas seuls, on avait des partenaires qui nous ont accompagnés. L'ambassade du Congo en Afrique nous a accompagnés et c'est comme ça qu'on a pu réussir à faire. C'est plus dans le but d'aider et de venir en aide. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez, parce que là vous avez quand même une belle affaire, ça évolue, est-ce que vous pouvez donner un chiffre de vos agents, je ne sais pas moi, des personnes que vous avez déjà employées ou le nombre d'emplois que vous avez déjà créés dans ce pays? Est-ce que vous avez des chiffres où il faut aller voir les statistiques là? Il faut voir les statistiques, mais je dirais directement et indirectement, on est à plus de 250. 250. Oui, directement et indirectement, on est à plus de 250. Le plus bas salaire, c'est combien? Le SMIC, 150 dollars, 150 dollars. Bon, ça dépend hein, de... Mais quel sentiment vous avez? Parce que ce que je vous faites, moi, je dois vous le dire, ben, vous êtes un héros pour plusieurs personnes. Parce que merci. Quand on fait ça à 33 ans, et que beaucoup des parents qui peuvent vous mettre au monde, mais au moins nous parlons, faisant cette émission, ils vont voir les féticheurs parce qu'ils doivent devenir ministres, ils doivent devenir PDG, ils vivent que sur les mamelles de l'État. Mais vous, jeune que vous êtes, vous dites, il faut que je crée de l'emploi et pas que j'y vive de mamelles de l'État. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait en vous regardant comme ça? Beaucoup de responsabilités ou beaucoup de gloire? Ouais, beaucoup de responsabilités, mais comme je dis, c'est notre héritage. Notez qu'on n'est pas seulement au Congo, on est aussi en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, quand je parle du chiffre, parce qu'en Afrique du Sud, on emploie beaucoup de Congolais aussi. Nous, on croit beaucoup dans le potentiel congolais. Donc, nos activités en Afrique du Sud emploient beaucoup de Congolais, donnent l'emploi à beaucoup de Congolais, ici au Congo aussi, bien sûr. Donc, c'est un pas positif vers l'avant, c'est un pas positif dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. On va se reposer le jour où le taux de chômage dans ce pays arrivera à moins de 5%. Alors, bon, longue vie à vous. Hein. Ah ouais, longue vie à vous. On va se reposer. Vous avez parlé d'agro-pastoral, oui. On a compris. Et quel autre secteur aujourd'hui? Je dirais agro-pastoral. Oui. Je dirais l'énergie, donc... Ah, donc l'énergie ou... Oui, oui, l'énergie renouvelable, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Avec le délestage et le problème de courant que nous avons, il y a beaucoup d'opportunités dans l'énergie. Mais comment on peut commencer par là, par exemple? Comment un jeune peut faire pour commencer son affaire dans ces secteurs-là? Dans l'énergie? Oui, dans l'énergie. Moi, je suggérais que le jeune puisse
aller soit en Zambie ou soit ici sur place. Il y a des magasins qui vendent des torches électriques, solaires, des torches solaires. Il y a beaucoup de petits objets solaires qui peut acheter au shop, discuter peut-être le prix et puis revendre ça. Ouais. Et puis après, peut-être à un niveau, quand il a assez de capital, acheter quelques panneaux solaires. Ouais. C'est très simple, les installations. Ouais. On aura certes besoin d'un ingénieur pour faire la main-d'œuvre, ouais. Mais les installations sont plutôt simples. On dit que on n'a pas une main-d'œuvre au Congo, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Ouais. On a donc un problème, d'abord, quand vous êtes entrepreneur, il faut former, qualifier cette main-d'œuvre-là. Ça vous coûte beaucoup d'argent. Ouais. Voilà pourquoi, généralement, on importe même la main-d'œuvre. Je ne suis pas de cet avis. D'accord. Je trouve que le Congolais est très doué dans ce qu'il fait, très calé dans ce qu'il fait, que ce soit en mécanique, que ce soit en électricité, que ce soit... Le Congolais est très doué. Le Congolais doit juste... bien sûr, on n'a pas toujours tous les atouts qu'on veut, mais dans ce dont on n'est pas fort, on peut toujours être formé. Ouais, on peut toujours être formé. C'était un très grand plaisir. Je rappelle que vous êtes Yannick Nzonde Mulundu. Vous êtes investisseur, vous êtes entrepreneur, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes opérateur économique et philanthrope et vous évoluez dans le secteur, dans plusieurs secteurs, de l'agro-pastoral. Et vous avez même dit que vous importez aujourd'hui. Vous importez beaucoup de choses. Oui. Et vous voulez renverser la tendance maintenant. Vous voulez être exportateur. Tout à fait. D'accord. Donc, ce qui fait que vous allez avoir certainement une bonne base de production qui pourra bien marcher. Vous êtes le président de la fondation qui porte le même nom, ça veut dire Mulundu Foundation. Oui. Vous avez l'idée de créer des écoles et des dispensaires avec vos partenaires. Congo Buzz vous souhaite en tout cas une très longue vie et vous souhaite un très bon parcours. On estime que vous allez réussir, d'ailleurs, je crois, juste en vous regardant, on sent que vous avez l'ambition de faire réussir les choses. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi. Alors, je me pose la même question. Imaginez qu'il y ait 1000 Yannick dans le monde, dans ce pays. 1000, tout simplement. Pas beaucoup. 1000. Au niveau de Kivu, on en a comme ça peut-être 100. À l'Équateur, on en a 100. Vous allez voir vous-même, d'une manière indirecte ou directe, on ne parlera plus de politique au sens de venir faire la politique pour s'enrichir. On parlera de politique pour venir apporter des solutions. Et moi, je crois que comme il a dit, le Premier ministre devrait finalement regarder dans les secteurs de ceux qui réussissent déjà. Parce que si vous voulez confier la charge à quelqu'un, il faut au moins que vous ayez l'idée de ce qu'il a déjà fait. Si c'est son expérience et le nombre de discours qu'il a tenus dans un parti politique, eh bien, on aura mal fait les choses. Je pense qu'on a des opportunités de changer et de sauver ce pays. Qu'il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Ouais. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent, et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Yeah.
bana Congo, noye mali, noye bolonde ne la lisa.